Every one of us, parce que tout un chacun de nous, who have experienced the love of God, qui a expérimenté l'amour de Dieu, knows that there was a time in our history when we were helpless. Nous savons qu'il y avait un temps dans notre histoire où on était sans aide. So there are times I'll tell you that you may be shocked to see Michael Jackson in heaven. C'est pour ça que je vous dis des fois, vous pouvez être choqué de voir Michael Jackson au ciel. You don't know his story. Vous ne connaissez pas son histoire. What social media says about people is not what God is saying. Ce que les réseaux sociaux disent à propos des gens n'est pas ce que Dieu dit. You don't know his struggles. Tu ne connais pas ses batailles. I'm not sure if you grew the way he grew, you would survive. Je ne pense pas que si vous avez grandi comme il a grandi, vous allez survivre. God knows everyone more than you can ever perceive. Dieu connaît toute personne plus que ce que vous pouvez apercevoir. There are many who are privileged here to be born in Christian families. Il y a les gens qui sont privilégiés d'être nés dans les familles chrétiennes. You don't know the struggle of being born into a Muslim family. Vous ne connaissez pas les batailles qui viennent avec d'être né dans une famille musulmane. There are people here only their boyfriends are stopping them from going to church and they can abandon Jesus for boyfriend. Il y a les gens qui seulement leur petite amie peut les stopper d'aller à l'église et ils peuvent abandonner Jésus pour cela. But in really religious Muslim families, if you dare, they threaten to kill you. Mais dans les familles vraiment musulmanes, si vous tentez cela, on vous menace de vous tuer. So you may not know the struggles of people's faith. Donc vous ne pouvez pas connaître les batailles de foi des personnes. You don't dare grow in a family where your father is a witch doctor. Vous ne grandissez pas dans une famille où votre grand-père féticheur. I am convicted. Je suis convaincu that the church of God, as much as it's a hospital, que l'église de Dieu aussi beaucoup qu'elle est un hôpital, is also a family. Est aussi une famille. A family of people that has been helped. Une famille de personnes qui a été aidée. A family of people that are being helped. Et une famille de gens qui sont aidés. And because you're here, et parce que vous êtes ici, whether you're visiting, soit vous rendez visite, or you desire to stay with us, ou vous désirez rester avec nous, I want to assure you, je veux vous assurer, this is God's house, voici la maison de Dieu, and you're welcome any day and any time. Et vous êtes la bienvenue n'importe quand, n'importe quel jour. Don't come here with your righteousness. Il ne faut pas venir ici avec votre justice. Come here with your dirtiness. Il faut venir avec votre saleté. Come with your weakness. Venez avec votre faiblesse. Come with your inabilities. Venez avec vos incompétences. And if you sincerely trust that God will touch you. Et si vous croyez sincèrement que Dieu va vous toucher, when God will touch you, quand Dieu vous touchera, nobody will advise you, the change will be natural. Personne ne va vous conseiller, le changement serait naturel. If you dress naked and come here, nobody will drive you. Si vous habillez nu et vous venez ici, personne ne va vous chasser. But you can't stay here 3 months and still be naked. Mais vous ne pouvez pas rester ici 3 mois et vous êtes toujours nu. We'll put you somewhere I can be seeing you. On va vous mettre quelque part où je peux vous voir. And when I have finished seeing you, et quand j'ai fini de vous voir, and you discover that my eyes did not judge you, et vous découvrez que mes yeux ne vous ont pas jugé, et vous découvrez que je ne vous ai pas condamné, suddenly, the first thing you will feel is love. Soudainement, la première des choses que vous allez ressentir, c'est de l'amour. And then secondly, nobody will ask you, you will try to feed in. Et deuxièmement, personne ne va vous demander, vous allez essayer de vous rejoindre. And then when change is done joyfully, it is effortless. Et quand le changement est fait avec joie, c'est sans effort. Jesus said, "This is my blood." Jésus a dit, voici mon sang, which is shed, qui est coulé, for many, pour plusieurs personnes, for the remission of sins, pour la rémission des péchés.